fort. Tout est pour le français. Dorénavant, ça ne sera plus jamais comme avant. Ça se construit, on démolit, on reconstruit. Il faut être instruit dans ce monde où rien à mourir, sinon t'es cuit. La réalité me rattrape quand je fuis. Elle me suit, elle qui a le monopole, c'est de m'exprimer par là de chute libre. Elle s'affole, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être plus de pétrole. Elle se vit de ses gisements. Il y a trop d'effets de serre. L'énergie fossile, le charbon a été fermé il y a quelques temps, on sait que nous avons ouvert. Mais bravo, le réchauffement. Bravo, bravo. Mais ces besoins énergétiques qu'on a besoin en ce moment, on a trop besoin parce que voilà, on vit dans l'énergie. On vit dans l'énergie, on dépend. Mais avons-nous pensé à ces gens? Avons-nous pensé à ces gens? Mais nous, on parle de toi, mais c'est un Dieu, pardon, on ne se rend même pas compte le bouleversement qui affecte la planète aujourd'hui, qui se déroule à une vitesse et avec une ampleur du jamais vu ça. Nous dévastons l'espèce animale et végétale à rythme effréné, ça va très très vite. Et c'est nous qui faisons ça. La population mondiale a triplé au cours des dernières siècles. À un point qu'elle a triplé au cours des dernières siècles. Wow. Le réchauffement climatique. Mais avant de parler de ça, d'abord la base. Bon, parler de réchauffement. Mais avant de parler du réchauffement, d'abord, parler de soi-même. Je suis. On clame cette étude. Je suis du Pacifique Sud, pas loin de l'Australie. Je suis de l'archipel de la Mélanésie, plus précisément en Nouvelle-Calédonie, dans la capitale et Nouméa. Je suis de Nouvelle-Calédonie, alias Kanaki. La langue permet de véhiculer la culture, car toute croyance confondue, on sait qu'il y a un créateur au-dessus de tout. La raison, je me permets de chanter ce petit soyez souhait. Tenez, levez con. Quand je chante pour lui, je chante pour mes ancêtres, je chante aussi pour ceux, ces esprits de ces militaires de Joubert Caponnet. Car nous vivons dans un monde où il y a le côté visible qui est matériel et le côté invisible qui est spirituel. Aujourd'hui, on est pris entre la modernité et la volonté de vouloir sauvegarder cet héritage. Faut pas que la mondialisation dilue cette phase d'identité qu'on a en sorte de peuple autochtone. Car la diversité est une richesse. La différence aussi c'est une richesse.